Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec Mathieu, Émilie, Patrick et Mohamed qui est de retour et dont la mine en dit long. Il fait plus frais qu'à Cannes là, sur Paris quand même. Hein. Il y avait un autre temps à Cannes. On avait bien profité, dis donc. C'était pas vraiment les salles obscures l'essentiel de votre occupation. Au cinéma, c'était vraiment la salle Claude Debussy, voilà. Eh bien, on bronze au Festival de Cannes, au cinéma en tout cas, salut à tous les quatre. Bonsoir, ma Pierre, bonsoir. Lui, est toujours à Cannes pour cette deuxième semaine du Festival Cannes au programme ce soir. Bonjour Babette, un œil avec deux regards en fait. Deux regards tout à l'heure avec celui d'Anaïs de Moustier et celui de Jean Dujardin qui sont deux des personnages clés et on peut dire les acteurs principaux de ce film Novembre qui a été l'événement hier soir, accueilli comme un événement hors compétition mais surtout hors norme puisqu'il nous touche toutes et tous. Il relate les 15 jours qui ont suivi pour les policiers et pour les brigades les plus essentielles qui ont suivi les attentats de novembre 2015. À tout à l'heure. A tout à l'heure, 20h, pour l'œil de Pierre à Cannes. D'ici là, Émilie, votre choix de l'actu du jour. Une page de l'histoire dont plus personne n'ignore l'existence, mais qui reste encore méconnue. Un livre révèle comment la rafle du Vel'd'Hiv a été orchestrée par la France, comment elle a été considérée comme un échec par la France et comment elle a été longtemps ignorée. La rafle du Vel'd'Hiv, c'est cette enquête signée Laurent Joly qui sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story du jour. C'était le vrai événement du week-end et il avait lieu au Parc des Princes. Oui, Kylian Mbappé va continuer au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025. On voit le sourire de Mathieu et on vous raconte ce soir dans C'est à vous les coulisses de ce choix. Il a hésité entre le Real et le PSG. Pourquoi il a choisi le PSG, vous allez le savoir dans quelques minutes. Merci Mohamed. Patrick, votre édito ce soir. Un ministre à peine nommé accusé de viol, Damien Abad, ministre des Solidarités, qui se défend, qui refuse de démissionner, où l'on voit à nouveau le conflit entre la lutte, le combat nécessaire contre les violences sexuelles et le respect de la présomption d'innocence. On en parle avec David Doucan, rédacteur en chef du service politique du Parisien, et Fiona Texer, cofondatrice de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles, qui a recueilli notamment le témoignage d'une des plaignantes, d'une des accusatrices de Damien Abad. Bonsoir et merci à tous les deux de votre présence Bonsoir. Ce soir. Merci. Mathieu, dans votre édito. Nous allons revenir sur l'appel lancé, relancé par un collectif d'associations pour les enfants de djihadistes qui sont en Syrie, 200 qui vivent aujourd'hui dans des camps de prisonniers. On va en parler dans le 5 sur 5 tout à l'heure. Nos invités du dîner, le journaliste et ancien patron de la rédaction de TF1, Robert Namias, qui publie un roman Mortelle Comédie. C'est un regard assez, pas complaisant du tout, acerbe, en tout cas critique sur les médias. Il est notre invité du dîner. Et puis on nous apprendra comment manger sainement et bien avec Thierry Marx, le grand chef étoilé, et Jessie Inchospé qui va nous demander de faire notre révolution glucose, notre glucose révolution. Tout ça autour du dîner préparé ce soir par notre chef de la belle époque de l'hôtel Barrière de Normandie, Christophe Bézanier. Bonsoir cher Christophe, un menu normand ce soir? Alors oui, un menu normand bien sûr avec des maquereaux de Trouville, des petits pois également de Trouville, de la ferme de Chalet-Galeux, que des produits de saison. Ah ben c'est parfait, Christophe. Ah. On n'en demandait pas plus. Merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure, chef. Tout de suite, l'édito de Patrick. Le gouvernement Borne s'est donc réuni pour la première fois à l'Élysée ce matin avec un ministre en sursis, Damien Abad. L'ancien président des députés LR, nommé vendredi ministre des Solidarités, confronté le lendemain à deux accusations de viol et depuis ce matin à des demandes de démission ou de mise en retrait par Olivier Faure ou Sandrine Rousseau. Les récits ont été publiés samedi par Mediapart, mais l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, association créée il y a 3 mois par des militantes féministes, affirme avoir alerté par mail plusieurs responsables LR et LRE il y a une semaine, ainsi que le parquet de Paris, lequel confirme avoir été destinataire d'un message vendredi dernier, le jour de la nomination de Damien Abad, un signalement en cours d'analyse par la justice. Quel est le statut de ces accusations? Un récit sans plainte et une plainte deux fois classée sans suite. Le récit sans plainte est celui d'une femme qui dit avoir partagé une coupe de champagne avec Damien Abad à l'automne 2010 et ne plus souvenir de rien jusqu'au lendemain matin à son réveil à ses côtés en sous-vêtements dans une chambre d'hôtel. La plainte classée deux fois est celle d'une militante centriste, Margot, qui affirme avoir eu début 2011 une relation sexuelle d'abord consentie puis contrainte. Elle s'en est expliquée ainsi à plusieurs médias. J'ai porté plainte au commissariat un an après,
mais j'ai pas réussi à signer et aller jusqu'au bout. Mais 6 ans plus tard, j'ai réussi à le faire. C'est parce que Damien Abad était omniprésent dans les médias et que je pouvais plus supporter juste de le voir, d'en souffrir et que lui ne soit inquiété en rien. Ce que j'espère, c'est que la sortie dans la presse de cette affaire empêche d'autres victimes, permette à d'autres victimes éventuelles de parler. Des victimes de Damien Abad comme des victimes tout court d'autres personnes. Le parquet de Paris a bien indiqué avoir trouvé trace de cette procédure avec un classement sans suite en avril 2012 du fait de la carence de la plaignante et un deuxième pour les mêmes faits en décembre 2017, faute d'infraction suffisamment caractérisée après audition de la plaignante et du député. Que répond Damien Abad ? Il affirme que son handicap l'empêche d'être un violeur en évoquant crûment son intimité. « J'ai toujours été discret sur mon handicap », écrit-il dans un communiqué. « Je suis contraint aujourd'hui de préciser que dans ma situation, l'acte sexuel ne peut survenir qu'avec l'assistance et la bienveillance de ma partenaire, que sans le consentement et la participation pleine et entière de l'autre, rien n'est possible. » La question de ce handicap est d'ailleurs très présente dans les récits des deux jeunes femmes rapportées par Mediapart. Margot déclare « J'aurais viré n'importe qui, mais Damien avait un handicap, je n'avais pas envie de le blesser. L'autre, qui se fait appeler Chloé et qui n'a pas porté plainte, reconnaît avoir eu quelques égards. Je ne l'ai jamais trop remballé, rembarré ou brusqué, y compris le lendemain des faits, parce qu'on ne fait pas ça avec une personne avec un handicap. » Que répond le gouvernement ? Il s'en remet à la justice. Déclaration de la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire. Le gouvernement est aux côtés de celles qui, suite à une agression ou à du harcèlement, ont l'immense courage de parler. Dans cette affaire, celle sur laquelle vous me questionnez, comme souvent dans ces affaires, l'enjeu, c'est ici l'établissement de la vérité. Et l'établissement de la vérité, c'est à la justice de le faire. Ça n'est pas à moi, et je crois que ça n'est pas non plus à vous. Le sort de Damien Abad est donc entre les mains de la justice. Lui-même a dit il y a une heure qu'il ne démissionnerait pas. Mais on ne sait pas si, du point de vue du gouvernement, si c'est une condamnation, une mise en examen ou simplement l'ouverture d'une enquête qui entraînerait sa démission. On voit que sur ces dossiers, il n'y a plus de règles claires et il n'y a plus non plus de respect de la présomption d'innocence. De respect de la présomption d'innocence, puisque en France, les gens sont innocents tant qu'on n'a pas prouvé le contraire. David Doucan, rédacteur en chef du service politique Le Parisien, aujourd'hui en France, c'est un ministre en sursis qui a fait son premier conseil des ministres ce matin. Patrick disait à l'instant, il n'y a plus de règles, on ne sait plus quelle est la ligne. Mais on peut se reporter à ce qu'a été la ligne d'Emmanuel Macron pendant tout le quinquennat. Il y a déjà eu un cas d'accusation Gérald Darmanin. D'agression sexuelle contre un ministre, c'était Gérald Darmanin. Quelle a été la ligne d'Emmanuel Macron ? Elle a été de ne pas bouger, de ne pas lâcher son ministre. Et à la fin, il y a eu un non-lieu. La justice a fini par rendre un non-lieu dans l'affaire Darmanin. On sait qu'Emmanuel Macron, dans la dialectique que vous posiez, Patrick, il accorde davantage d'importance à la présomption d'innocence parce qu'il considère que c'est l'état de droit dont il est le garant, le premier garant, au fond. On sait que c'est sa conviction, ça, Emmanuel Macron. Vous me demandez quelle est la ligne ? Oui, bien sûr. Donc, j'essaye d'analyser les positions qui ont été celles d'Emmanuel Macron. Donc, et on voit sa toute nouvelle porte-parole du gouvernement qui dit ce midi, c'est à la justice de trancher. Donc l'analyse que l'on peut porter, c'est qu'Emmanuel Macron ne change pas de ligne. Et qu'à ce stade, il est dans une logique qui consiste à dire, je reste en soutien, enfin en tout cas, je ne limoge pas ce ministre. Problème, les circonstances ne sont pas les mêmes sur un plan politique. Hein, là, je parle vraiment de politique. Entre Gérald Darmanin et oui, Damien Abad. Oui, parce que nous avons des élections législatives dans 3 semaines. Donc, il va y avoir une pression politique très lourde, très forte, de l'opinion, d'une part, mais pas seulement, y compris les candidats à La République En Marche. Les ministres, ils sont 15 en tout, à être candidats aux législatives, et on sait qu'ils jouent leur poste. S'ils sont défaits le 19 juin, ils doivent démissionner du gouvernement. Il va y avoir une forte pression, là, sur Elisabeth Borne et sur Emmanuel Macron, parce que le risque, c'est que cette affaire devienne le boulet, au fond, de tous les candidats de La République En Marche dans 3 semaines. Fiona Texer, vous êtes cofondatrice de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles. Avant que la justice se prononce, vous vous demandez un geste de la part du gouvernement et d'Emmanuel Macron, malgré le respect de la présomption d'innocence qui est mise en avant du côté du gouvernement ?
Nous, ce qu'on a demandé, c'est l'écoute de la parole des femmes. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons été informés du signalement qui nous a été transmis par Chloé il y a une dizaine de jours, nous l'avons transmis aux autorités de LREM et de LR, conformément à sa demande. Et à partir de ce moment-là, nous, ce qu'on espérait, c'est qu'il ne soit pas promu à des responsabilités importantes. On fait le constat aujourd'hui que nous n'avons pas été entendus. Ensuite, c'est de la responsabilité du gouvernement de voir comment on peut concilier une prétendue écoute de la parole des femmes en actant que le quinquennat sera de nouveau le quinquennat de la grande cause avec les luttes contre les violences faites aux femmes et en même temps de maintenir en poste des ministres accusés de viol. Cette femme qui vous a contacté et qui se fait appeler Chloé, est-ce que c'est la perspective de voir Damien Abad devenir ministre qui l'a poussée à vous contacter? Je crois que quand on est victime de viol ou d'agression sexuelle, au-delà de la difficulté de se remettre, si tant est qu'on puisse se remettre de la violence de ses actes, il y a une autre souffrance qui est de voir que la personne qui les a commises continue une vie tranquille, continue une vie normale, voire est de plus en plus couronnée de succès. Et donc effectivement, ce qui l'a poussée à enfin franchir le cap de l'expression et de la transmission d'un signalement, c'est cette perspective. C'est atroce pour elle de vivre ça. Elle a extrêmement souffert des déclarations qu'il a pu faire il y a une heure. J'ai été en contact avec elle à l'issue de la déclaration de Damien Abad. Le fait de le voir, lui, se poser dans une posture de victime alors qu'elle a subi un viol a priori sous soumission chimique, selon ses dires. Puisqu'elle pense avoir été potentiellement droguée avant de faire un blackout, c'est-à-dire qu'elle ne se souvient absolument de rien de ce qui s'est passé cette nuit-là. Exactement. Mais elle se souvient s'être réveillée dans sa chambre d'hôtel à lui, en sous-vêtements, alors qu'elle était mariée et qu'elle n'avait aucune intention de ne pas dormir au domicile conjugal. Et donc ce que je veux dire, c'est que la question de l'inversion de la culpabilité est aujourd'hui, pour les victimes de Damien Abad, mais je pense pour toutes les victimes de violences sexuelles, une insulte supplémentaire. Plaignante en tout cas, ou accusatrice, pas encore considérée comme victime puisque le procès n'a pas eu lieu. Pardon, pas plaignante, elle n'envisage pas de saisir la justice. Ce qu'elle indique, c'est qu'elle n'est pas dans cette démarche-là et quelque part, il faut reconnaître que dans notre pays, 99% des viols restent impunis, que 9 femmes sur 10 ne portent pas plainte, qu'il y a d'énormes difficultés encore à porter plainte et qu'on donc, de fait... C'est pas votre boulot de l'encourager à porter plainte ? Moi, mon travail, c'est de faire ce qu'elle m'a demandé, à savoir transmettre à LR, LREM. Après, le fait de porter plainte, c'est une décision qui appartient à chacune. Et c'est une difficulté. Il faut reconnaître la difficulté qu'il y a encore à porter plainte dans ce pays, la lourdeur des procédures, à quel point ça demande des ressources économiques, des ressources financières, des ressources psychologiques. Et que quand on se dit que la perspective, c'est d'y arriver une fois sur 100, je comprends qu'on soit découragé, surtout quand on s'attaque à un ministre. Vous nous disiez que Chloé avait été frappée par les déclarations de Damien Abad. Je vous propose de les entendre. Il y a quelques conteste minutes. Les accusations à mon encontre avec la plus grande des fermetés. Toutes les relations sexuelles que j'ai pu avoir dans ma vie ont toujours été mutuellement consenties. Ces accusations m'infligent, comme à mon entourage, une blessure profonde. J'ai toujours évité de mettre mon handicap en avant. J'étais contraint, malheureusement, de le faire aujourd'hui pour me défendre et même de dévoiler mon intimité en détail en expliquant que les faits qui m'étaient imputés étaient matériellement impossibles. Ce sont ici ma dignité et mon intégrité qui s'en trouvent atteintes. Je le répète avec fermeté, je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie. Vous allez démissionner. Écoutez, un homme innocent doit-il démissionner? Je ne crois pas. Les accusations dont parle Chloé remontent, je ne parle pas de faits présumés, parce que c'est, mais les accusations remontent à 12 ans. Vous dites qu'elle a souhaité parler pour empêcher Damien Abad d'accéder à des responsabilités ministérielles, mais il est depuis 3 ans maintenant, il a eu des responsabilités éminentes, il était le chef du principal groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Elle n'a pas songé auparavant à prendre la parole comme elle l'a fait là ces derniers jours. Moi, je ne suis pas la porte-parole de la victime. Évidemment, je suis en lien avec elle, mais de fait, je ne peux pas m'exprimer en son nom. Ce qu'on souhaite souligner avec l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, c'est que la question, elle est abordée uniquement là par l'angle de la justice, alors qu'elle pourrait l'être aussi par l'angle politique. C'est-à-dire que nous, on ne parle pas de sanction. La sanction, elle relève de la justice. Nous, ce qu'on demande, c'est de la prévention. Et la prévention, ça veut dire quoi aujourd'hui? C'est de s'assurer que tout peut être mis en place pour qu'il n'y ait pas possiblement de commission de nouvelles violences. Et
Et maintenir quelqu'un dans ce doute-là, eh ben, ça fait poser un doute raisonnable et ça peut mettre en danger d'autres femmes. La justice, ce n'est pas seulement la sanction. La justice, c'est l'établissement de la vérité, c'est l'établissement des faits. C'est le fait que des soupçons ou des charges puissent être considérés comme étant... des actes répréhensibles, réellement répréhensibles. C'est ça le travail de la justice, pas seulement sans la sanction. Oui, mais la loi prévoit aussi que chaque employeur est garant de la sécurité des personnes sur leur lieu de travail. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, au sein du gouvernement, les femmes qui vont travailler avec lui et le côtoyer peuvent se sentir dans une forme d'insécurité, puisqu'il y a des doutes raisonnables, il y a une parole qui a été entendue. Et donc on peut aussi imaginer, comme dans une entreprise privée en fait, qu'il puisse y avoir une suspension, une attente, une mise à pied, quelque chose comme ça. Enfin, ce qui s'applique en fait pour le citoyen ordinaire sur son lieu de travail, pourquoi ça ne s'applique pas au sein du gouvernement ? David Doucan, un mot sur la déclaration d'Amir Abad, contraint, comme il le dit, à évoquer son intimité et notamment un handicap qui l'empêcherait d'avoir des relations sexuelles imposées sans consentement. Il opte pour une stratégie de défense offensive, en quelque sorte. Une stratégie de défense où il essaye de montrer qu'il est lui aussi, lui-même, dans une logique de transparence. Parce qu'en fait, quand on lit le communiqué qui a été publié ce week-end, samedi ou dimanche, je ne sais plus. Hier. Dimanche. Quand on lit le communiqué qui a été publié dimanche, il entre avec force détail dans sa vie sexuelle, au fond, qu'il décrit avec beaucoup de détails. Donc, il essaye d'envoyer le message au public, peut-être aussi aux gens de sa circonscription, puisque l'extrait que vous avez diffusé a été fait dans l'Ain, où il est en campagne, qu'il essaye de démontrer qu'il fait la transparence. Sur la question de la plainte, si vous m'autorisez très brièvement, que Patrick posait à l'instant, il y a signalement auprès du procureur de la République. Donc, le parquet peut tout à fait, dans les jours, dans les heures, décider qu'il y ait plainte ou pas, au fond, de lancer une procédure. D'ouvrir une enquête, ça c'est tout à fait possible. Selon les informations du Parisien, le parquet sera amené à s'exprimer sans doute demain. Ça, ce sera un moment important. Ce sera un moment important parce que si le parquet dit « bon, moi j'ai un signalement, j'ouvre une enquête », eh bien, il y a une évolution, une étape franchie sur le plan de la justice. Et ça deviendra de plus en plus intenable pour Damien Abad. Comment est-ce qu'il peut sereinement exercer son rôle de ministre ? Non, si à chaque fois lui est posée la question ou si à chaque fois le débat revient Dans les moments comme celui-là, les responsables politiques, y compris lorsqu'ils arrivent dans des responsabilités assez fortes, ont souvent le réflexe de dire « il faut tenir les 48 premières heures, tenir... » Mais c'est vrai, il y a cette logique-là de se dire « voilà, s'ils tiennent bon pendant quelques jours, l'espoir que les choses se tassent. » Voilà la seule stratégie, au fond, valable à ce stade. À condition qu'Emmanuel Macron reste sur la ligne que nous évoquions en début d'émission. Le président de la République peut aussi être amené à changer d'avis. Nous ne le savons pas à cette heure. Quelle était la réputation de Damien Abad chez les Républicains ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que Aurélien Pradié, aujourd'hui cadre majeur du Parti Les Républicains, raconte... en on, comme on dit dans notre jargon, bah, publiquement, quoi, raconte publiquement, qu'en 2020, je reprends ces mots, il a coincé, ce sont ces mots, hein, d'Aurélien Pradié, coincé Damien Abad dans un couloir de l'Assemblée nationale en lui disant « maintenant, il faut que tu arrêtes avec ton comportement vis-à-vis des femmes ». Ça, c'est ce que raconte Aurélien Pradié. Vous avez aussi Christian Jacob, qui répond à une interview de nos confrères du Point, qui a été publiée aujourd'hui, je crois. Christian Jacob, qui est donc encore pour quelques semaines le patron des Républicains, et qui dit qu'en 2017, il y a eu en 2017, la deuxième plainte, je crois, la seconde plainte, et qui dit qu'en 2017, il est allé voir Damien Abad pour lui demander, pour lui dire, est-ce que tout cela est vrai ? Et il raconte que Damien Abad lui a répondu à ce moment-là que tout était faux. Que tout était faux, qu'il n'avait même pas encore été auditionné par les enquêteurs. Vous avez décidé de transmettre le témoignage de Chloé à La République En Marche, notamment Stanislas Guérini, Christophe Castaner, et Aurélien Pradié pour Les Républicains le 16 mai, sans réponse. Vous avez essayé de les contacter, d'insister
pour voir si votre signalement était arrivé jusqu'à eux ? Oui, on a envoyé par mail et on a fait une relance. Et en fait, ça pose la question de la prise en compte des signalements au niveau de l'État. On a en France, depuis le scandale Cahuzac, un scandale pour lequel un ministre a démissionné, et derrière, on s'est posé la question de comment faire pour que ça ne se reproduise plus, on a mis en place la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui est un organisme chargé de contrôler le patrimoine, d'éventuels conflits d'intérêts, etc., d'un grand nombre d'élus dans notre pays. Et en fait, se pose la question d'un jour élargir les missions de la Haute Autorité au signalement des violences sexuelles et sexistes, puisqu'il n'y a pas en politique, en gros, de boîte aux lettres pour aller transmettre ce genre de signalement. Et se pose aussi la question chez LR de comment ça se fait s'ils le savaient, qu'ils n'ont pas pris des mesures, qu'ils n'ont pas fait d'enquête interne. On a l'impression de revivre l'affaire Darmanin une deuxième fois, avec deux personnalités issues de ces rangs-là, où tout le monde savait, et qui est encore en cours. Il y a encore une procédure en cours. Donc il y a ce problème aussi quand un homme politique passe d'un parti à un autre, si ça ne suit pas derrière, comment faire ? Émilie. Vous le disiez, il y a les 48 heures à tenir, mais en fait, là, dans ce contexte-là, on est à plus, puisqu'on est à 3 semaines des législatives. Une période de réserve va s'imposer au ministre. Bien évidemment, l'opposition, elle, va s'exprimer. D'ailleurs, elle ne s'en prive pas. Écoutez Jean-Luc Mélenchon, hier sur RTL. Un signalement qui a été fait apparemment à un niveau extrêmement élevé de responsabilité. Ils n'en ont tiré aucune conclusion avant. Si ça avait été à la LFI, eh bien dès le signalement, il y aurait eu une intervention. Nous, on a pris 3 jours à prendre une décision qui était extrêmement compliquée à prendre et cruelle aussi pour l'intéressé, puisque se trouve, si, ça existe, hein, s'il n'est pas coupable, qu'il aura été en quelque sorte condamné avant terme. Et s'il l'est, eh bien, nous aurons pris la bonne décision. Et lui-même l'a accepté. Mais M. Damien Abad pourrait en tirer aussi des conclusions personnelles. Mais je ne lui dis pas, faites-le. Je ne sais pas. Si c'était LFI, je me tournerais vers mes camarades et je leur dirais « Alors, qu'est-ce que je fais ?» Et on m'aurait dit « Bah écoute, on l'enlève de là. » Bon, bah très bien. Jean-Luc Mélenchon qui fait référence au fait que la France insoumise ait débranché son candidat Taha Bouaf accusé de violences sexuelles des législatives. Cette question, Damien Abad, est-ce qu'elle peut avoir une influence sur la campagne des législatives, sachant que Damien Abad a lui dit que ces scrutins seront les juges de paix et démontreront ma capacité à conserver la confiance des Français. Lui se projette jusqu'au 12 et au 19 juin. C'est une façon aussi pour Damien Abad d'envoyer un message à Elisabeth Borne, à Emmanuel Macron. Ne comptez pas sur moi pour démissionner. C'est aussi ça le message qui est envoyé aujourd'hui par Damien Abad. Est-ce qu'il peut y avoir un impact sur les législatives ? Oui, bien sûr. Vous avez 15 ministres là qui sont candidats dans 15 circonscriptions pour les législatives. Or, nous savons que Pas les plus défavorables. Ce sont pas les plus difficiles, je suis d'accord avec vous. Oui. Mais non, je suis bien d'accord. Mais très bien. Ceci étant posé, on n'est pas capable trop d'anticiper ces législatives. Il y a une union à gauche qui change malgré tout un tout petit peu la donne. Est-ce que cela va mobiliser le peuple de gauche ? Est-ce que cette affaire Abad va peut-être aussi avoir un impact lestant pour les candidats de la majorité présidentielle ? Ce sont des questions qui se posent légitimement. Et donc, là où vous pointez un sujet politique qui peut être problématique pour le président de la République, c'est si cette affaire devient... Ne s'apaise pas. Un feuilleton, quoi, oui. En quelque sorte. Si ça part en feuilleton, ce qui est déjà arrivé, on l'a vu par le passé, vous allez être candidat de La République En Marche ou d'Horizon ou du Modem. À chaque fois que vous mettez les pieds sur un marché, vous êtes interpellé sur le sujet. Vous êtes ministre, vous êtes candidat. Donc c'est ça le risque. Le risque, c'est que ça devienne un boulet. On n'en est pas là. On n'en est pas là à l'heure où nous parlons. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, le président de la République regarde cette affaire avec beaucoup de précision et d'attention, quand même. Merci beaucoup Fiona Texer d'être venue nous parler ce soir. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles. Merci d'avoir accepté ce soir notre invitation. C'est une page de l'histoire dont il n'existe qu'une seule et unique photo, destinée à paraître dans Paris Midi avant un refus de la censure allemande. Photo datée du 17 juillet 1942, dont la légende disait... De bonne heure, hier matin, des Juifs étrangers furent priés par les forces de police de monter en autobus. Ils partaient vers un nouveau destin, le travail sans doute. 12 884 hommes, femmes et enfants, emmenés par bus au Veldiv avant d'être déportés dans des camps nazis. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français
secondé par l'État français. La France, patrie des Lumières, patrie des droits de l'homme, la France, terre d'accueil, terre d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leur bourreau. Bonsoir Laurent Joly, historien spécialiste de l'antisémitisme sous Vichy. Vous publiez une enquête mercredi sur la rafle du Vel'd'Hiv, une enquête d'autant plus essentielle que cette histoire, aussi emblématique et tragique soit-elle, reste encore relativement méconnue. Alors, méconnue pas sur le plan des décisions politiques. On les connaît depuis les travaux de Marius, Paxton, Serge Clarcel en 1983 avec Vichy-Auschwitz. Avait très bien décortiqué le mécanisme des négociations entre les Allemands et Vichy qui ont amené à la livraison de 13 000 personnes à Paris, femmes, hommes, enfants, comme vous l'avez rappelé, en moins de deux jours. Mais ce qu'on ne connaissait pas, et après tout, ce qui est le cœur de cette opération, c'est que c'est une opération de police. Donc on ne connaissait pas la préparation administrative, les fiches, les fichiers et la mise en œuvre concrète par ce qui était la police municipale de Paris. La mise en œuvre d'une opération qui sera la plus grande orchestrée dans le cadre de la solution finale en Europe de l'Ouest. 4500 policiers mobilisés à la manœuvre, la préfecture de police de Paris, sans la moindre participation allemande. Et c'est ça qui est essentiel, qui est au cœur de votre enquête. Oui, c'est aussi le cœur de ce qui a été les négociations entre Bousquet, le chef de la police de Vichy. Avec les Allemands. C'est un deal monstrueux. Au début juillet 1942, il faut bien comprendre que pour Vichy, l'Allemagne va gagner la guerre. C'est une évidence. Ils ont eu des victoires récentes en Libye, à Sébastopol. Donc voilà, les Allemands veulent 40 000 juifs et juives en âge de travailler. Il faut leur livrer. Mais Bousquet, il est à la tête de la police, on va dire traditionnelle, la gendarmerie, surtout la police, force de l'ordre française. Et donc il veut que ce soit cette police qui fasse le travail et qui n'est pas ce qu'on appelait des opérations mixtes, qui n'est pas des Allemands et des Français sur le terrain, parce que ça, c'était jugé comme étant humiliant pour la police française. Donc, vous voyez, cet enjeu de souveraineté explique qu'on arrive à cette anomalie où on a une opération qui est effectivement à la base décidée par les Allemands, imposée à Vichy. Vichy accepte. Vichy avait les moyens de s'y opposer. Ils ne le font pas parce qu'ils veulent collaborer. Ils veulent livrer le maximum de Juifs étrangers. Et donc, pas un Allemand le 16 juillet 1942. Une opération de police préparée dans les moindres détails, et ce, grâce aux fichiers juifs établi par la préfecture de police de Paris, un document extrêmement complet, dactylographié. C'est une colossale opération bureaucratique. Oui, alors c'était une opération qui était peu connue. On connaissait le premier recensement, c'est qu'il y a eu un premier recensement des Juifs sur ordre allemand en 1940. C'était une ordonnance allemande. Il y avait 150 000 Juifs qui s'étaient recensés à Paris et en banlieue. Et un an après, ils ont fait un autre fichier parce qu'ils considéraient que les premières opérations, il y avait des trois rafles qui ont eu lieu en 1941. Déjà, le taux d'échec était assez important, donc les Allemands n'étaient pas très contents. Donc ils avaient demandé de faire un vrai fichier modèle, pour le coup, dactylographié, avec plein d'informations. Et le paradoxe, c'est que les autorités de Vichy, les autorités françaises, avaient pris l'initiative de mettre un certain nombre de catégories pour éventuellement faire des exemptions. Donc elles existent, ces catégories, et en juillet 1942, comme il s'agit de livrer le maximum de Juifs et de Juives, ils n'en tiennent absolument pas compte. Donc, en leur âme et conscience, ils livrent des infirmes, des gens qui ont des titres militaires importants, des enfants français. Ça, on le voit sur les fiches, c'est assez sidérant, parce que j'ai fait un travail sur ce fichier, dont une partie a été conservée. Donc on voit qu'on sait qu'on va arrêter des gens qui ne devraient pas être arrêtés parce qu'ils ont des enfants français. Donc les vies auraient dû être épargnées. Et dont les enfants vont être aussi arrêtés, ce qui est vraiment la spécificité de cette opération, parce que c'est la seule fois en France où on va arrêter des parents avec leurs enfants et qu'on va les séparer. On a vu ça, on n'a plus vu ça après. Ça a été un tel choc dans l'opinion qu'on ne l'a plus refait. Et on n'a pas vu ça non plus ailleurs en Europe de l'Ouest. Vous rappelez aussi qu'à tous les moments et à tous les niveaux de cette opération, il y avait une possibilité de dire non. C'est ce qui est arrivé. Certains agents ont renoncé, en tout cas n'ont pas fait preuve de zèle, gênés ou touchés par les pleurs, les gémissements et les supplications. D'autres, au contraire, ont été d'un zèle absolument abominable. L'attitude de chaque commissaire était fondamentale. Et vous parlez notamment du commissaire Turpot, responsable du 4e arrondissement de Paris, antisémite, pétainiste notoire, qui a appliqué à la lettre la circulaire qui ordonnait l'arrestation de toute femme ayant un enfant né avant le 1er juillet 1940. Donc il y a ce petit Richard,
Frenkel, qui est né le 21 juin 1940, à 10 jours près, il aurait pu être épargné. Absolument, et ça c'est terrible parce que l'essentiel du travail que j'ai fait, ça a consisté à retrouver des traces policières et des témoignages de policiers. On n'en avait pratiquement pas, et j'ai consulté les dossiers d'épuration. Et il y a 4000 agents qui ont été convoqués par la commission d'épuration. C'est un agent sur 5 de la préfecture de police de Paris. Donc l'épuration administrative a été considérable. Et j'ai vu l'ensemble des dossiers. Ce qui m'a permis au final de trouver 150 dossiers qui concernent directement ou indirectement la rafle du Valdiv. Et là, on découvre toutes les marges de manœuvre que j'avais même pas pensé. L'exemple que vous venez de donner, il est tout bête. Il y a marqué 1er juillet 1940, pour la date de naissance des enfants, au-delà de laquelle on les arrête pas. Évidemment, vous avez des agents, ils voient un enfant, il a 2 ans, ils ne vont pas demander exactement... La date de naissance. Voilà, la date de naissance, ils voient qu'il est petit, ils le laissent. Et vous en avez qui vont l'appliquer à la lettre. Et l'exemple, effectivement, de ce petit garçon qui est né le 21 juin 1940, c'est-à-dire qu'à 9 jours près, sa mère n'était pas arrêtée, et lui restait avec sa mère, et le commissaire Turpeau, lui, l'applique. Voilà. Et dans d'autres arrondissements, les commissaires vont être moins zélés. Il y a aussi la question d'enfoncer la porte ou pas. La plupart des gens qui sont des gens, faut le rappeler, ce sont des juifs apatrides, polonais pour l'essentiel. La plupart du temps, ils sont pauvres, ils n'ont pas eu les moyens de partir. Donc l'une des rares ressources qu'ils ont, quand ils n'ont pas pu s'enfuir, c'est de ne pas ouvrir. Et là, vous allez avoir des équipes qui vont décider de ne pas défoncer la porte quand la concierge est complaisante et gentille. Elle dit « Non, je crois qu'ils ne sont pas là, je crois qu'ils sont partis ». Donc là, il y a des commissaires qui vont dire, bon, même si la concierge vous dit que les gens ne sont pas là, vous défoncez quand même la porte au cas où. Donc on voit qu'à chaque niveau, effectivement, il y a des marges de manœuvre, ce qui est l'un des résultats les plus étonnants de ma recherche, qu'il y a des variations assez surprenantes d'un arrondissement à l'autre. Le deuxième arrondissement, par exemple, où le commissaire, là, on sait qu'il a prévenu des gens. Il a prévenu des juifs qu'il connaissait, des juifs allemands qu'il connaissait. Ben là, on voit qu'il n'y a que 20% des gens qui sont arrêtés. À l'inverse, dans le 12e arrondissement, on a un commissaire qui va être extrêmement brutal. En plus, le 12e arrondissement, c'est là où il y a l'hôpital Rothschild, qui est un hôpital quasiment annexe de Drancy. Donc, vous voyez, c'est un enjeu pour les Allemands. Et lui, il va être très, 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 très vigilant. Il va même aller sur le terrain. Et il y a 67% des gens qui sont arrêtés dans cet arrondissement. Donc, on voit qu'il y a des variations. Et c'est vraiment lié à ces marges de manœuvre qu'ont les agents individuels ou par équipe qu'ont chacun des acteurs de ce qui s'est passé. Cette rafle a été considérée comme un échec. Résultat, d'autres rafles auront lieu après la rafle du Valdiv. Alors, ces rafles étaient de toute façon envisagées, mais ce qui est certain, c'est que le semi-échec, c'est ça le paradoxe, c'est un semi-échec. On n'a jamais arrêté autant de gens en si peu de temps en France, pendant la guerre, et même en Europe de l'Ouest, en cas de la solution finale. Il n'y a pas d'équivalent. 13 000 personnes arrêtées en moins de 2 jours, il n'y a pas d'équivalent. Le deuxième, si vous voulez, dans le palmarès, c'est Berlin en 1943. Vous avez 6 000 personnes. Vous voyez qu'on est loin. Et en même temps, on en voulait beaucoup plus. Il y a 24 700 fiches qui avaient été extraites. L'objectif, on se disait, on va en arrêter 22 000. C'était l'objectif qu'on s'était assigné au sein de la préfecture de police de Paris. Et au bout du compte, on n'en a que 9 000, plus 4 000 enfants. Et 9 000, vous voyez, c'est en comptant les erreurs, parce que bon, j'explique dans le détail, il y a des erreurs dans le fichier. En gros, les 2/3 des gens ont échappé à la rafle au moment. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va créer des brigades spécialisées dans les arrondissements, là où c'était les commissaires d'arrondissement qui avaient organisé la rafle à Paris. On va créer des brigades spécialisées de policiers ordinaires, des agents de la paix, des gardiens de la paix en civil, qui vont retourner pendant des semaines et des semaines. Sans relâche. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas du tout connu. Ces équipes spécialisées qui ont arrêté des gens. Jusqu'à la fin du mois d'août, ils en retrouvent 1200. Vous voyez, ils en avaient arrêté 9000, plus 1200. Et jusqu'à la fin de la guerre, on en a trouvé 4000 en plus des 9000. Je ne compte pas les enfants, parce que les enfants ne sont jamais comptés dans les objectifs d'arrestation. Et souvent, dans les bilans, on ne les voit pas. Ils sont en plus. Les enfants, ils suivent le sort de leurs parents. Malgré toute cette horreur que vous racontez, il aura fallu attendre 1995 pour que la responsabilité de la RAF ne soit reconnue par la France, reconnaissance faite par Jacques Chirac et ce qu'il a appelé l'irréparable commis par l'État français. C'est un acte fort. Serge Klarsfeld dit qu'il attendait ça depuis son enfance. Il faut voir qu'un an plus tôt, son prédécesseur François Mitterrand se refusait encore à reconnaître l'implication de la France. Non, la République n'a rien à voir à ça. Et j'estime, moi, madame est consciente, que la France non plus n'en est pas responsable. Que ce sont des minorités activistes qui ont saisi
l'occasion de la défaite pour s'emparer du pouvoir et qui sont comptables de ces crimes-là. Pas la République, pas la France. Et est-ce que vous encouragez tous les historiens ? Donc je ne ferai pas d'excuses au nom de la France. Pourtant, il y a eu quelques petits pas vers la reconnaissance. 30 ans avant 1965, pour la première fois, un hommage public est rendu par un chef du gouvernement. C'était Georges Pompidou à l'époque. Et encore avant, et on l'apprend ça dans votre livre, vous révélez qu'une première cérémonie a eu lieu le 21 juillet 1945. Cérémonie lors de laquelle des résistants, des survivants témoignent. Mais la presse en parle peu. Il n'y a que deux journaux dont vous citez d'ailleurs les titres. L'Aurore du 22 juillet qui dénonce l'un des actes les plus barbares commis par les Allemands pendant l'occupation. L'Humanité, 16 juillet 1942. Les Boches arrachaient les petits à leur mère. Ça, c'est le titre de l'Humanité 45. Le même jour. 45, ouais. J'ai dit autre chose, pardon. On parle des Allemands déjà à cette époque-là. Pourtant, c'était là et ça passe encore inaperçu. Le tabou, c'est la participation de la police française traditionnelle, de ces agents de gardiens de la paix, qui ont été des héros de la libération de Paris. Donc c'est impossible d'écrire noir sur blanc, ce sont des policiers français qui ont arrêté des juifs en juillet 42. Et ça, ça va rester jusque dans les années 80. Serge Klarsfeld, au début des années 1980, arrive à imposer que dans les manuels scolaires, on élimine cette erreur. Qui dans les manuels scolaires, avait marqué que c'était des policiers allemands ou alors des soldats allemands qui avaient arrêté les juifs. Donc c'est une erreur qu'on retrouvait aussi dans les livres grand public, qu'on retrouvait dans tout ce qu'on pouvait lire et entendre à l'époque sur le sujet. Et il y avait déjà des livres qui avaient évoqué la participation de la police française, mais à chaque fois, c'était comme s'il faisait une grande révélation qui était tout de suite mise sous le tapis. Oui, un mot sur la responsabilité. Il se trouve que dans l'extrait de l'émission qu'on vient de voir entre Mitterrand et Al-Kabbach à la rentrée 94, il y a à peu près une demi-heure qui est consacrée à la figure de René Bousquet, puisque Pierre Péan, dans un livre, vient de mettre en cause François Mitterrand. Enfin, il le met en cause. En tout cas, il développe la longue amitié qui a lié François Mitterrand à René Bousquet, le secrétaire de la police de Vichy, et qui est l'organisateur en chef de... Absolument, et donc c'est pour ça, c'est terrible d'entendre Mitterrand parler de minorité activiste, comme si ça avait été des militants d'extrême droite qui s'étaient emparés du pouvoir, le PPF de Jacques Doriot, d'Arquet de Pellepoix, la milice, c'est pas ça la rave du Veldiv. La rave du Veldiv, c'est au contraire les gens les plus dignes pratiquement de France, comme dit toujours Serge Klarsfeld. Le maréchal Pétain, c'était l'homme le plus populaire de France. Bousquet, c'est l'un des technocrates les plus brillants de sa génération. C'est pas du tout une minorité d'activistes. Quant à Pierre Laval, c'était l'un des hommes politiques les plus connus et respectés de la Troisième République avant l'occupation. Donc il y a là un mélange qu'il fait entre la République, la France, les minorités activistes. Il mélange tout parce qu'effectivement, la réalité de la rafle du Veldiv, c'est que ce sont des agents ordinaires de l'État qui ont opéré. Et là, il y a une forme de continuité. Et le président Jacques Chirac a trouvé les mots. Ce sont des gens qui étaient sous la protection de la France, qui ont été livrés par Vichy. La rafle du Veldiv, c'est cette enquête signée Laurent Joly et ça sort mercredi aux éditions Grasset. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Vous restez avec nous, c'est l'heure de la story de Mohamed Bouafsi. Mohamed, le meilleur joueur du monde reste à Paris. Oui, si l'information avait fuité dans la journée, c'est samedi à 20h49 que les fans de football connaissent l'épilogue du dossier le plus médiatique de ces dernières années dans le football. Notre histoire s'écrit ici. Ici, c'est Paris. Non, on dirait un Ghostbuster américain, une super grosse production. Tout un est blockbuster. Blockbuster. Oui, j'ai dit Ghost, oui, pardon. Voilà, c'est pas un blockbuster. Non, mais c'est qui le fantôme? Un blockbuster américain, tout est savamment orchestré. Au même moment de la diffusion sur les réseaux sociaux de cette vidéo, le champion du monde entre dans son jardin au Parc des Princes après des longs mois de négociations entre le PSG et le Real Madrid. Mbappé a choisi Paris et le parc chavire. Très content, je suis très content de continuer l'aventure. Je vais continuer à faire ce que j'aime le plus, jouer au football et gagner des trophées avec vous tous. Donc merci à tous pour cet accueil.
Mais en Espagne, la presse a déclaré la guerre aux joueurs. Pour le quotidien AS, Mbappé sera toujours un perdant. Marca titre de son côté, il te manque beaucoup de classe pour jouer à Madrid. Mbappé est décrit désormais comme le nouvel ennemi numéro 1 du football espagnol. Punta es si le ha utilizado para mejorar su relación con el PSG. No va a pisar jamás este per Bernabéu con la camiseta Real Madrid. Ya te lo digo. No te, jamás. No te lo... Mbappé no puede jugar nunca en el Real Madrid. No, no va a jugar jamás en el Real Madrid. Ni un minuto de su vida. Ni un minuto de su vida. Yo no he visto tantos madridistas enfadados en mi vida. No en decirle no al Madrid, sino en reírse de una institución como el Madrid. On est encore un petit peu en colère en Espagne après le choix de... Ils sont de... très fair-play. Ouais, hein, très... oui, c'est compliqué. En tout cas, quelques petites indiscrétions sur ce choix de Kylian Mbappé. C'est en milieu de semaine dernière que l'international français a acté son choix après une réunion avec le président parisien Nasser El Khelaifi. La direction a assuré à Kylian Mbappé qu'il serait le leader du projet du club, qu'il aurait plus d'importance que Lionel Messi et Neymar au sein du Paris Saint-Germain. Autre élément symbolique, le PSG a finalement accepté de laisser Kylian Mbappé disputer les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous, puisqu'il voulait absolument disputer ces Jeux et que le PSG était plutôt réticent au départ. Sur l'aspect financier, les deux offres sont assez similaires. À Paris, Kylian Mbappé va devenir le joueur le mieux payé du monde, 50 millions d'euros par an et une prime à la signature de 100 millions d'euros pour le champion du monde. Paris reste donc le meilleur projet sportif. J'ai appris à vraiment regarder vraiment juste devant moi, pas regarder trop loin, parce que voilà, il y a un an en arrière, je pensais même pas être ici devant vous. Voilà, donc aujourd'hui, je signe ce nouveau contrat. Voilà, je pense avoir pris une décision personnelle, avoir pris le meilleur choix pour moi. Je regarde pas devant, je suis vraiment concentré sur ce nouveau contrat. Aujourd'hui, devant le Parc des Princes, près de 200 personnes sont venues célébrer la nouvelle. Pour les fans du PSG, c'est un grand jour dans l'histoire du club. Meilleur dénouement possible, tout simplement. Donc, bien sûr qu'on est content. On attendait que ça. Ah, ça nous fait plaisir, il a fait le bon choix. Et du suspense jusqu'au bout. Et voilà, de le voir qu'il re-signe jusqu'en 2025, bah, franchement, c'est une fierté. On peut que être heureux. Il n'a jamais beaucoup montré son amour vraiment pour le club, comme Marquinhos ou Kimpembe. Mais là, qu'il prolonge, bah, ça le fait rentrer un peu plus dans mon cœur, puisqu'il respecte un peu le club. Et il a signé pour quoi, alors, à votre avis? Pour plein de choses. Je pense que c'est sa ville aussi. Voilà, Paris, il a grandi à Bondy. Il y a des promesses, il y a des garanties sportives et les choses changent, les choses vont changer, j'espère en tout cas. Le futur de Kylian Mbappé était devenu un sujet qui dépassait le cadre du football ces derniers mois. Même le président de la République, Emmanuel Macron, a essayé d'influencer la décision du Parisien. Des échanges, David Doucan, qui ont eu lieu tout au long de ce feuilleton avec le champion du monde. Je ne sais pas si c'est tout au long, mais en tout cas, tout à l'heure, j'ai bien cru entendre Kylian Mbappé raconter qu'effectivement, il avait échangé avec Emmanuel Macron, qui il disait, bah oui, quand on est une grande vedette comme ça, nationale, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Ouais. Et donc, ils ont cet échange. Puis on sait qu'ils ont une relation, puisque souvenez-vous, quand il avait fait McFly et Carlito, vous vous souvenez de ça, les YouTubers Emmanuel Macron, il avait essayé dans l'un des défis de faire venir Kylian Mbappé à l'OM. Parce que Macron est fan de Marseille. Hein. D'accord. Attention, ne pas se tromper. Non, il avait échoué. Totalement. Et Kylian Mbappé a dit que bon, ça n'avait pas tellement joué les appels d'Emmanuel Macron. Pas joué, ça ne l'a pas trop influencé, même s'il était fier de ses appels quand même. Voilà, merci beaucoup Mohamed. C'est tout de suite l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Belliard. Qui a reçu... Ah oui, c'est 100 millions pour Mathieu. Bonsoir à toutes et à tous. Mathieu, un nouvel appel au rapatriement des enfants français de djihadistes. Ils ne sont pas responsables des choix de leurs parents. Ils sont partis très jeunes. Certains sont même nés en Syrie. Plusieurs associations appellent aujourd'hui à nouveau au retour de 200 enfants et de leurs mères. Parmi ces associations, 13-11-15, Fraternité Vérité, association de victimes des attentats de 2015, mais aussi la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International. Question humanitaire aujourd'hui, puisqu'ils vivent dans des camps de prisonniers syriens. Emmanuel Macron ne peut pas rester le président d'une France qui laisse périr 200 enfants innocents dans les camps. Ces enfants sont là depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il ne faut pas oublier qu'ils avaient à peine 2 ou 3 ans en arrivant dans ces camps. Certains sont nés dans le camp. Dans le camp, il y a très peu d'eau potable. Ils n'ont pas accès aux soins. Et puis, il n'y a aucune prise en charge psychologique. Ils n'ont pas accès à l'éducation. Ils ne vont pas à l'école. Leur quotidien se résume à la boue, les tentes,
le froid, leur histoire de France et l'histoire d'un pays qui leur dit « je préfère te voir crever là-bas que de te voir rentrer ». C'est extrêmement dangereux. On fabrique de la défiance. La France viole ses engagements internationaux en refusant de rapatrier ses enfants. Iban Raïs et Anaïs Recouli et Emo Touré ont également rencontré un couple. Leur fils est parti rejoindre les rangs de l'État islamique. Il a été condamné à mort en Irak. Il est aujourd'hui en prison. Mais quatre de leurs petits-enfants, dont un est né là-bas, sont aujourd'hui dans le camp de Roj en Syrie. Ils réclament leur retour. On est dans la crainte, on est dans la peur. On se dit, mais comment c'est possible qu'on puisse laisser des enfants, non seulement ils sont innocents, en plus ils sont victimes, ils ont déjà souffert et continuent à souffrir. Ce dont nous avons peur, c'est tout simplement qu'ils, actuellement, hein, et pratiquement tous les jours, c'est qu'il leur arrive un accident et qu'ils meurent. L'hiver, il fait très très froid, ça peut aller jusqu'à moins 10. Donc sous une tente, avec un réchaud qu'on ne peut pas allumer la nuit parce qu'on a peur que les tentes brûlent. Et l'hiver, il fait 40 degrés. Syrie, ce sont des camps dangereux, ce sont des camps où sévissent l'insécurité et la violence. Ce sont des camps où il y a très souvent des accidents, des tentes qui brûlent. Ce sont aussi des camps où on attrape assez facilement toutes sortes de maladies. Ça fait 5 ans que cette situation n'évolue pas. Il est temps maintenant que ça cesse et qu'ils reviennent en France. L'interview a été réalisée dans la chambre de l'aîné qui a 12 ans aujourd'hui. Alors ses grands-parents déplorent également le fait que la France demeure un des seuls pays à ne pas rapatrier leurs enfants. L'année dernière, ils voient leurs petits copains d'autres pays, des Belges ou des Suédois s'en aller et rentrer chez eux avec leur mère. Et ils se demandent pourquoi eux ne rentrent pas. Ils sont victimes du choix de leurs parents de les avoir amenés ou de les avoir fait naître. Enfin, fait naître, c'est peut-être pas exactement le mot dans ces situations-là. Et ils sont victimes aussi du choix délibéré de la France de les laisser là où ils sont. Je vois mal comment un enfant de 3 ans pourrait être un risque pour la sécurité de l'État. Ces enfants sont des enfants. Si l'État a peur d'enfants, je ne sais pas trop dans quel pays on se trouve. Le 14 février dernier, Jean-Yves Le Drian, qui était encore ministre des Affaires étrangères, sur le plateau de C'est à vous, rappelait la doctrine française en la matière du cas par cas pour les enfants, pas pour leurs parents. Les journalistes afghanes ne peuvent plus travailler sans être intégralement voilés. On a parlé du retour de la burqa imposée à la population. Désormais, la règle s'appliquera aux femmes à la télé. Elles avaient jusqu'à samedi pour s'y plier. Elles auront tenu 24 heures de plus en espérant résister. Mais c'est, comme vous le voyez à l'écran, seuls les yeux apparents qu'elles ont présenté leurs émissions hier. A presenter must feel totally calm and relaxed during the news to convey the truth to the people. But today, for the first time, I experienced a moment where I had to present my program wearing a mask and I wasn't feeling good at all. It's not clear. Even if we appear with the burqa, maybe they will say that women's voices are forbidden. They want women to be removed from the screen. They are afraid of an educated woman. What should we do? We don't know. We were ready to fight to the last to perform our work, but they don't allow us. If such decrees are issued and imposed on women, then women across Afghanistan will be eliminated, as we see now that women are being gradually eliminated. Les chaînes de télévision ont déjà coupé leur programme où l'on voit des femmes sans voile. Pour ces présentatrices, la ligne reste floue. À en croire les officiels, elles auraient le choix. It's advisory from the ministry. If it is said, they should wear it. It'll be implemented as it is in our religion too. It is good if it's implemented. Like during COVID, masks were mandatory. Women would only be wearing hijab or masks and they will continue their work. Alors si on comprend ce que dit ce monsieur, et si on le comprend uniquement, elles ont le choix, sauf si elles veulent continuer à travailler. Hier, les hommes journalistes et employés de plusieurs chaînes ont porté des masques couvrant le visage à l'antenne. Geste de solidarité et d'opposition aux règles imposées par les talibans. 9 mois après la prise de pouvoir par les talibans, économiquement, la population suffoque. On le dit depuis de longs mois, ce qui menace, c'est une famine d'ampleur en Afghanistan. Le pays s'appauvrit et l'aide n'arrive pas toujours à la population. Alors on quitte Kaboul à présent pour des zones plus reculées, où les journalistes de France Télévisions ont recueilli de nouveaux témoignages des familles poussées à vendre leurs enfants. J'ai vendu ma fille à cause de la famine et de la pauvreté. Je devais beaucoup d'argent, plus de 2000 dollars à des gens. Et est-ce que tu sais quand tu vas partir et comment tu te sens ? Je vais partir bientôt. Comment tu te sens par rapport à ça ? Le mari, âgé de 20 ans de plus qu'elle, doit venir la chercher dans quelques semaines. Il n'y aura pas de mariage. Il l'emmènera de force.
Alors par honnêteté, il faut aussi rappeler que c'est une pratique afghane ancestrale, mais le phénomène aurait doublé en un an. Pauvreté oblige. Il y a quelques mois, la grand reporter de France 2, Maryse Burgot, nous avait déjà raconté ce qu'elle avait vu et qui pratiquait la vente et l'achat d'enfants. Il y a à Kaboul des millions de personnes qui vivent dans une pauvreté absolue depuis deux mois, qui n'ont plus rien à manger. On nous avait dit, j'avais lu dans la presse afghane qu'il y avait des gens qui vendaient leurs bébés. On a cherché, on a très vite trouvé en fait. Ce sont des gens de la classe moyenne afghane de Kaboul qui ont un peu d'argent. Là, en l'occurrence, c'était un couple en mal d'enfants. Elles ne réussissaient pas à avoir d'enfants. Donc ils sont allés dans les camps de réfugiés. Comme ils savent qu'il y a une grande misère, ils sont allés dans les camps et ils ont cherché un couple qui voulait bien vendre un enfant. Alors c'est plus rare comme témoignage, vous allez l'entendre, un couple d'acheteurs justement de la classe moyenne afghane, comme le disait Maryse Burgot. Point de mariage, là il s'agit d'un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants. On va tout faire pour elle, pour qu'elle soit heureuse. Quand elle pleure chez nous, ça nous rend très malheureux et dans ces moments-là, on se demande pourquoi on a fait ça. Mais on se dit que si elle était restée avec sa mère, elle aurait fini dans la rue. Sa mère était obligée de la vendre. Et nous, on pense qu'on peut lui offrir un meilleur avenir avec une bonne éducation. Selon plusieurs sources, il fallait avant débourser l'équivalent de 2000 euros pour un enfant contre 500 aujourd'hui. Retour en France et plus précisément dans la cour de l'Élysée. Oui, c'est plus léger, vous allez l'entendre. Le premier conseil des ministres du gouvernement Borne, Louis Hamard et Camille Schmitt étaient dans la cour ce matin. Vous en avez parlé déjà, mais je vous propose une analyse de ce nouveau gouvernement. Alors une analyse un peu inédite, pas d'éditorialiste politique cette fois, mais celle d'habitués du conseil. Nous avons dirigé le micro, c'est à vous, vers les photographes qui accueillaient les ministres, les nouveaux ministres. Analyse sans filtre. Par ici, s'il vous plaît. Je crois qu'il ne nous aime pas. Je la sens pas, elle. Elle est blanche. Elle est blanche, là. Ça, c'est la patience de la droite. C'est des cons, mais c'est pas sûr. Oh là là, on est bien là. Pour ça, vous l'appelez madame ? C'est plus sûr. Ça pose Instagram. Est-ce qu'il vient de Bercy à pied ? Non, mais tout le monde arrive à pied là. Voilà, en attendant d'apprendre le nom des nouveaux ministres. Voilà, toujours tendre un micro vers les photographes dans les cours, dans les cours des ministères ou à l'Élysée. C'est d'une efficacité redoutable. Ils sont terribles, terribles. Vous auriez, vous auriez pu tous les nommer, là, les ministres, presque, on a vu. Presque. Donnez-moi, ils ont été nommés il y a trois jours. Même les meilleurs. Exactement, ça, je l'avais reconnu aussi. Il y a devant elle, sans doute aussi, beaucoup de défis. Exactement. Dans ce nouveau gouvernement. Merci beaucoup, David Doucan, rédacteur en chef du Parisien, service politique du Parisien, Laurent Joly, la rafle du Veldiv. Formidable enquête à lire à partir de mercredi chez Grasset. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, le dîner de C'est à vous avec Robert Nabias, un chef étoilé Thierry Marx et une chercheuse en nutrition qui s'appelle Jessie Inchopse. Elle va vous demander de faire votre glucose révolution. Préparez-vous. Hein. Le 1789 du sucre. A tout de suite.